Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la suite de Shady Part of Me. Et rappelez-vous, nous étions dans ce décor un petit peu ancien. J'allais dire potentiellement égypto-médiévalo-anciéno, tout ça. C'est con. Alors, ça fait quelques jours que j'ai pas joué, du coup. On va voir comment que ça se pose là. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça va plus mal. Ok, on s'est fait un pan. Un bridge, comme j'aime les appeler en anglais. Ah! C'est timé, du coup. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Ça passe! Ça passe, ça passe. De quoi parles-tu? Il n'y a personne ici. Alors j'ai juste remonté un petit peu le son dans mes oreilles. De cette façon. Voilà. Es-tu déjà venu ici? Qui t'observe? Je ne sais pas. Que l'air descend. Oui. C'est bon, tout compris. Voilà. Qui va prendre la petite échelle là? Ça fait perdre trop de temps. S'il te plaît, réponds-moi. Merde, comment je fais ça? Attends. Je suis un peu... Ok, donc ça c'est bien là. Et ensuite... Ah non, pas du tout. Voilà. Et même que je fais ça, que là je fais ça, ensuite ça. Ok. Pas mal. Habile. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus difficile. Mais ça va se corser à mon Les gens avis. qui regardent, ils sont pas gentils. Que veux-tu dire? Qui sont méchants? Par exemple. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc caché ici? Ok. Donc je vérifie quelques trucs pour voir si parle-lui. Je vérifie Il n'y a quelques trucs, probablement ouais. personne ici. Ne t'inquiète pas. Genre, est-ce qu'on peut marcher sur la zone éclairée ou non? Ce qui ne semble point être le cas. C'est donc une bonne nouvelle. Bon, alors. C'est bon. Is ok, is ok. Propre. Jusqu'ici, c'est un peu trop simple, je trouve ça bizarre. Hop et hop et hop. Marc, je fais le malin parce que d'un coup, ça va se compliquer. Refais ça. Qu'est-ce que j'ai?
Ça, c'est le max. D'accord, c'est pas ça. Mais comment je passe? La musique est cool, hein. Ça, on peut pas leur retirer. Mais à quoi ça m'avance de faire ça? Cette boîte, cette caisse, j'ai pas pu l'emmener plus à droite. D'ailleurs. Et en plus, ça fait pas beaucoup d'ombre. Attends, j'observe. Comment faire en sorte que les blocs rétractables fassent un pont? Il doit y avoir un truc avec ça. Le truc c'est que je peux pas le sortir d'ici. Tu vois, sinon je l'aurais emmené jusque là, là. J'aurais fait l'escalier. Et pour monter sur cette tour là... Quel but, je sais pas. On va essayer ça. Attends. Si je tombe. Et quel intérêt il y aurait à utiliser les barres d'en bas? Bon, à part réussir cette petite énigme. Tu les vois pas? Qui ça? Les démons de minuit. Ceux dont elle a peur me font grandir tous cachés dans l'ombre. Les gens qui se cachent et me fixent, ils me parlent jamais. Tu m'étonnes. N'existe pas. Voilà, très bien. C'est bon, je peux y aller. Non, je peux pas. C'est-à-dire. Ah, ok. Et là, le jump, il est faisable ou pas? Je comprends pas. Et dans tous les cas, je suis Keblo là. C'est-à-dire...
Mais attends, et là je pouvais passer sans problème. Ça. Mais là, je peux plus passer du tout. Ah, ok. Bah non, ça passe même pas. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est pas bon. Mais ce sera toujours trop court ici, je comprends pas. Non, je l'ai. C'est bon. Peu importe ceux qui t'observent. Peut-être te veulent-ils du bien. Non. Tu t'en rends pas compte, tu les vois pas. C'est vrai. On peut pas se mettre à sa place. C'est exactement le genre de puzzle où faut pousser dans un sens et tout, que j'aime pas. Si en plus là il y a un jeu de lumière. Habile. Pas très habile. Mais pourquoi? Là, c'est ok, non? Ah oui, j'ai juste été trop rapide. C'est timé là? Ça a l'air ok. Bénef. Ula la la la, qu'est-ce que c'est que ce truc? Monter là-dessus. Pourquoi les avoir modélisés du coup? Ouais. C'est-à-dire? Et là ça passe. J'ai pas compris qu'est-ce qui avait changé en fait. Quoi? Je l'ai pas eu? C'est vraiment pas vrai. C'est pas ce que je fais. Mon objectif était donc d'aller en haut.
Mais si je fais ça. D'accord. Bah disons ça. Attends. Voilà. Il manque quelque chose. On va retenter un truc. Mais là, je peux pas la voir. Du coup, si je fais ça. J'ai comme l'impression qu'on a raté cette cocotte en papier. Mais que c'est pas très très grave. Bon alors attends. On fait ça. Là, on fait ça. Qu'est-ce que je cherche à faire? Je sais plus ce que je voulais faire. Pourquoi as-tu peur d'eux? Ok, c'est passé, je ne sais comment. Ça c'est fait. Je sais pas à quoi j'ai pensé, mais... Attends. Ça, on devrait pouvoir l'utiliser. Comment j'étais arrivé tout en haut, moi? Voilà. C'est pas... Hein? Faut réfléchir, hein? En fait, vu que c'est des puzzles à double niveau, t'es en mode, bah, fastoche. Et en fait, non.
Voilà. Et donc maintenant... C'est bon. Fouh. Eh ben... Sacré énigme. Par contre, toutes les autres cocottes grattées, je ne sais pas où elles sont. Avoir peur d'eux. C'est pas comme si je le voulais. Un petit peu quand même. Ah, il doit y avoir plein de trucs cachés. Je ne peux pas aller plus loin. Ne t'éloigne pas trop. Je le ferai pas, promis. Pas trop le choix en même temps. On dirait des cités Inca. Chaud. Heureusement que j'avais piffé dès le début qu'il fallait faire demi-tour. Mais c'est foutu! Et là, vous dites rien. On vient de faire une chute de je sais pas combien de mètres et rien à dire. On est dans un décor. Il semblerait que tu aies peur de la lumière. Plus urbain. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Le coin du feu n'est-il pas apaisant? T'as déjà dit ça. Tu dois lui laisser du temps. Attends. Du coup, je vois ses faiblesses précisément tristement. Elle condamne le passé et encense l'avenir. My evolution. D'accord. Je bois une petite gorgée de café. Bouvani. Et on est reparti. Session 8, introspection. Quoi? Comment ça? Et genre dans ce tunnel là il y a sûrement quelque chose. Ah, got it. La carte des rois. Mais je me suis bloqué en fait. Mais c'est foutu! Mais... Genre là, on peut plus du tout récupérer la cocotte. Si. Parce qu'on peut rebobiner. Faire attention à toi. C'est vague comme conseil. C'est quand même assez vague. Très bien. Je t'avais dit de crématorium ou quoi? Où est-on? Je sais pas.
Mais je préfère être ici. Vraiment ? Il fait si chaud. On dit où est-on ? On dit pas où sommes-nous. J'imagine que si c'est supporté par le CNC et la région Île-de-France, ça doit être bon. The bandwagon. Ok. Pourquoi on ferait ça? Enfin... D'accord. Juste pour passer. Je ne me sens pas à l'aise ici. T'es pas rassuré? Pourquoi? Tu ne la sens pas? Cette sensation... Ah, ça c'était pas prévu. Tu ne la sens pas? Cette sensation à l'intérieur de toi? Ouais, peut-être. Le feu intérieur, oui. Alors là, on peut passer tout le temps. Non. J'avais pas vu quelle zone c'était. Let's go. Et ben voilà. Est-ce qu'ils nous observent encore? Non, ils sont occupés. Je suppose que quelqu'un doit entretenir le feu. Est-ce qu'on va rencontrer d'autres personnages? Ok, et ça? On aurait largement pu sauter en fait. Ah si, ok. J'ai capté. La chaleur me dérange pas. Vraiment ? Maintenant non plus, ça devrait pas. C'est à l'intérieur, donc c'est bien. Oui. Le feu vacille souvent. Tu ne dois pas en faire autant. La musique est cool, hein. La chaleur est toujours instable. Tu ne vois pas le danger ici. Le soleil était bien plus sûr. Pendant combien de temps ? Le soleil est à l'extérieur. C'est ça qui brûle, l'extérieur. Qu'est-ce que... Je peux y aller, moi ? Non, je peux pas. Ok, que deux positions dans tous les cas. Ah ! Je l'ai. Faut juste attendre le bon passage. Allez, j'ai pas sauté. Yes ! C'est bon. Et là, du coup, nous on peut y aller. Ça me surprend que tu ne vois pas le danger ici. Je vois surtout pas comment passer. D'accord, c'était tout simple. Et parfois je me casse la tête alors que c'est évident.
Mais oui. Ça me dit pas comment la voir du coup. Comment on fait? Ah, ok, j'ai vu. Got it. C'est foutu. Oh là là, tellement rembobiné. Faut juste que je change la rotation. Non. On va voir. Ah oui, du coup, il n'y en a plus du tout qui passe à gauche. Chaud. Très chaud. En fait, j'aurais pas dû bouger. Là, c'est bon ou pas? Ça m'a l'air ok. Tu es vraiment sûr de toi, n'est-ce pas? Ok. Ben jusque-là, ça se passe, ça se passe. Ok, ça c'est fait. Et maintenant? Et du coup, ça fait un point commun, les deux doivent utiliser l'ombre. Ah! Quoi? Très bien. Est-ce que j'ai débloqué un truc mystère? Qu'est-ce que c'est que ce passage? Je pouvais y aller? Si j'allais là, c'était sûr. Ah ouais, c'est vraiment ce type de jeu. Ok, ça change tout. De quoi t'as peur? Mais je ne sais pas. Ça pique? Non, ça. Tu vas où? Bah, je vais à l'étape suivante. Bien. Je n'ai pas vraiment l'habitude. Deux. Oh là 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 là. Ok, très bien. Je fais ça parce que ça m'a l'air plus galère que l'autre. Mais non, c'est pas ça. Mais non, je suis une quiche. J'ai juste à redescendre un petit peu. Par une brouette. C'était facile. On a déjà fait ça avant. Facile, ah bon, à dire pour toi.
laisse pas les idées noires t'étouffer. Let's go! J'aime bien cette musique, ça fait un peu truc. Un peu espion, tu vois. Espion énigme. En mode mission tango. Bien, bien, bien. D'avoir rien d'autre. Ah, il est en crâne. Ah bah oui, ça fait de la lumière. Je suis un peu tagazou. Hein. Essayez encore, pour toi. Mais j'ai juste à passer en dessous là. Pourquoi je m'embêterais? Ah d'accord. Dommage. On aurait pu tenter un truc. Comment faire du coup? C'est malin. Ok, j'ai. Mal. J'aurais pu juste tout simplement attendre. Genre comme ça. Hop. Mais bon, c'est fait dans tous les cas. En plus, on a réussi à avoir la cocotte en papier, du coup, c'est bénef. J'ai peur de l'intérieur comme tu as peur de l'extérieur. Statir. L'extérieur peut te faire mal. Il me fait mal. L'intérieur est sûr. L'intérieur est comme une prison pour moi. Quoi? Juste quoi? Je sens qu'il va me falloir plusieurs essais. Attends, pourquoi lui il revient ici? C'est con.
comprends pas. C'est obligé qu'il y ait... Il y a une petite embrouille là, là-dessus. Celle-ci revient où? Je piche pas tout. Je vais rembobono un peu là. Avant que celui-là crame. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si toi tu bouges ça pendant que lui. Mais là ça marche jamais. On peut tenter le saut d'ici mais... Ils ont pensé à tout. Ça, franchement, c'est le plus proche que je puisse faire. Et au pire, la cocotte. Hein. On a réussi, c'est ce qui compte. Je dis ça et c'est juste après, une fois que j'aurai fini le jeu, et que je vais me dire, ah, il faut que j'aille faire toutes les cocottes. Je serai en mode, putain, si j'avais su. Ça va aller, personne ne regarde. Allez, je suis avec toi. Ne bouge pas, je vais régler ça. Tu vas bien? Je ne peux pas bouger. J'ai peut-être pris un peu de retard là-dessus. Tu peux le faire? Non! Je suis inutile! Allez! Ah, mais en fait, il bouge en même temps que moi, ça va. Je croyais que ça allait le lâcher dans une cuve et tout. Tu te sens mieux? Eh oh! Ah! Mais j'ai pas vu ça!
était facile en plus. Je ne supporte pas qu'elle me voit aussi impuissante. Pourquoi continue-t-elle? Ce n'est pas elle qui fait avancer les choses, c'est toi. Et c'est toi qui devrais continuer. C'est-à-dire? Tu peux continuer? S'il te plaît, reprends-toi! Je veux pas rester toute seule ici! Ne t'inquiète pas, je ne me laisserai plus faire. Essaie encore. Ça fait plusieurs fois qu'on a ce truc-là, je comprends pas. Tu as toujours peur de la lumière. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? N'as-tu pas besoin d'une veilleuse pour te guider dans tes rêves? Je dois être vraiment insupportable, genre je parle pas, je fais juste des C'est infâme. Comment je peux aller là-bas, moi? Comment je vais là-haut? Je peux pas. Non, pour de vrai. Ah, je pouvais avant. Genre quand c'était éteint. J'ai pas fait gaffe, j'avoue. Effectivement. C'est dommage que après avoir rembobiné, on puisse pas ensuite juste dérouler. Tu vois au bout. Ce serait pratique. Ça c'est fait. Tac. Ok. On va pas tarder à s'arrêter. Je vois qu'on est déjà à 48 minutes à peu près. C'est vrai que j'aime pas trop laisser en pleine énigme. Tu devrais aller droit au but. Ne fais pas attention à elle. Elle vient juste de m'aider. Vous ne l'avez pas vue? Je ne l'abandonnerai pas. Hop. On fait ça. Ensuite, on fait redescendre la lumière. Là, on prend vous ça. Vous m'avez pas vu l'aider? Je viens de le faire. Quoi? Mais tous les deux, vous entendez le narrateur? Rien à activer. Je pense qu'on va s'arrêter juste après cette énigme. Ouais, c'est bon, c'est passé. Oui, je vois qu'il y a des trucs compliqués, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à très très vite. On va regarder ce qu'on a raté. Pas grand-chose. 12 sur 40. Et c'est énorme quand même. On passe de 9, 25 à 40. En tout cas, moi je vous dis à très très vite. Ciao!